Bonjour Shmuel. Bonjour Shalom. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle lettre. C'est le Nun Sophit. Regarde. Eh, mais le Nun Sophit, il est super grand. Oui, parce qu'il est à la fin d'un mot. Le Nun Sophit, c'est le son ne. Moi, je connais des mots qui terminent par le Nun Sophit, comme Gan, un jardin. Ou bien Shemen, de l'huile. Mishkan. Il y a aussi le Kohen, et le Kohen travaille dans le Mishkan. Et si on allait au Mishkan? Trop bonne idée! Allez, Shalom et Shmuel, vous voulez aller au Mishkan? Ouais! Alors, vous allez marcher sur chaque Even. C'est quoi une Even? C'est une pierre, et vous allez dire le nom des lettres. Ouais, c'est parti! Vet. Yud. Dalet. Mem Sophit. Bet. Raf. Zayin. Aleph. Raf Sophit. Vav. Tet. He. Nun. Lamed. Chet. Gimel. Mem. Kaf. Nun Sophit. Ouais, on est arrivé au Mishkan. Vous croyez qu'on va voir le Kohen? Ou bien, il paronne des crayons. Viens, on fait un Nun Sophit avec des paronnes. Ok. Eton, un journal. C'est Vivonne, une toupie. Eh, viens, on joue à la toupie. Ok. Allez, on commence le jeu du Cévivonne. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Où est-ce qu'elle va arriver? Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Elle va arriver au You. Mais non, elle va... Ah, au Nul. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Au Lamed. Elle tourne, où est-ce qu'elle va arriver? Ah, au même Sophit. Elle tourne au Vav. Elle tourne au Raf. Elle tourne au Zayin. Maintenant, ah, au Raf Sophit. Elle tourne au Nun. Sophit. Maintenant, aux têtes.
Elle tourne, elle tourne. Au Kaf. Maintenant, où est-ce qu'elle va arriver? Ah, au Dalet. Elle tourne. Au Gimel. Elle tourne. Au Mem. Elle tourne. Ah, elle s'est cognée au Khet. Elle tourne au Nun Sofit. Elle tourne. Ah, elle s'est cognée au Nun Sofit aussi. Maintenant, elle est arrivée au Khaf. Sofit. Maintenant, elle est arrivée au Tet. Maintenant, au Khaf. Elle tourne. Elle est arrivée au Khet. Maintenant, elle ne s'est pas cognée. Bravo! Maintenant, la toupie, elle a dit bonjour à toutes les lettres. Elle s'est arrêtée. Elle arrête de jouer. Au revoir! Choulral, la table. Oh, viens poser la table pour Shabbat. Ok. La gématria du Nun Sofit. C'est comme le Nun, c'est 50. Je sais faire un Nun Sofit en cursive. Et maintenant, l'histoire. Nun Sofit joue avec son Sévivonne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne et boum! Le Sévivonne s'est cogné contre la bouteille d'huile, Shemen. Et tout le Shemen s'est renversé par terre. Oh là là! Attention, Vav! Ne cours pas, le sol est glissant! Nous allons réviser les sophiotes. La première lettre, c'est le raf. Lorsque le raf se trouve à la fin d'un mot, eh oui, il devient le raf sophit. Vous la connaissez cette lettre. Maintenant, nous allons apprendre le même. Lorsque le même se trouve à la fin d'un mot, il devient le même sophit. Bravo! Maintenant, nous allons apprendre une autre lettre. Vous la connaissez. C'est le noun. La voilà. Lorsque le noun il se trouve à la fin d'un mot, vous savez. Il devient le Nun Sofit. Bravo les enfants. Maintenant, nous allons réviser toutes les lettres. Raf devient Raf Sofit. Le même, il devient le même Sofit. Et le Nun, il devient, eh oui, le Nun Sofit. Bravo. Nous allons réviser les lettres qui se ressemblent. Bet, vet, vav, zaïn, kaf, khaf, bet, kaf, vet, khaf, gimel, nun. Tête, même. Vav, Nun Sofit. Khaf Sofit, Nun Sofit.